Et oui, car les concurrents choisissent librement leur agrès et veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont là où ils sont en meilleur état de forme actuellement. Vous la connaissez depuis très longtemps maintenant. On l'a vue sur France 3 cinq fois ou six fois par an lors des retransmissions télévisées. Elvire Teza, la réunionnaise qui excelle à la poutre et aux barres asymétriques. Rythme et vivacité sur l'entrée, salto avant Jäger, jambes écartées, soleil dorsal, salto entre les barres avec demi-tour. Attention, le passage dorsal et la sortie en double avant. Oui, bel exercice pour Elvire. Et on a senti dans son regard une luminosité qui se dégage lorsqu'on a réussi quelque chose. Changement de face. Toujours délicat à la barre supérieure. Le rattraper lors du lâcher. Et ensuite l'enchaînement. Et Elvire Teza avec ce lâcher de barre a été d'une précision.